I was wondering if you wouldn't mind transporting something for me. No questions asked. Why not? Bonjour à toi, chers spectateurs. Et alors que le quatrième film qui s'annonce comme un reboot sort en salle, petit plaisir coupable, pourquoi ne pas revenir sur la trilogie originelle du Transporteur, initiée donc par Luc Besson et Robert Mark Kamen en 2002. Donc voilà, c'est une saga qui n'est pas forcément emblématique, loin de là, qui n'est pas forcément du grand divertissement, loin de là, mais c'est toujours fun à regarder, en tout cas dans sa première partie, et c'est toujours intéressant de se replonger dedans pour un petit peu comprendre ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un quatrième film. Donc, intéressons-nous tout d'abord au premier long métrage, Le Transporteur, donc, de Corey Yuen et Louis Leterrier, sorti en 2002. Alors, Corey Yuen et Louis Leterrier, on va revenir un petit peu, c'est pas pour rien qu'il y a ces deux noms au générique en tant que réalisateur. L'histoire, c'est celle de Franck Martin qui est un transporteur, c'est-à-dire qu'il s'occupe simplement de transporter les gens d'un point A à un point B. Et voilà, il est le meilleur dans son métier, il est le plus rapide, voilà. Et du jour au lendemain, il va se retrouver dans une affaire un peu étrange où il va trimballer une jeune asiatique qui se nomme Lai. Et voilà. Autant rester simple parce que, vu la complexité du scénario qui est le transporteur, vaut mieux ne pas en révéler beaucoup. Alors, c'est un film qui est assez étrange, parce que lorsque l'on regarde l'affiche, il y a Louis Leterrier qui est nommé en tant que réalisateur. Mais, si on regarde au générique, c'est Corey Yuen qui est à la mise en scène, ce n'est pas Louis Leterrier. C'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que sur le premier, Louis Leterrier est directeur artistique et Corey Yuen est réalisateur, et sur le deuxième, Corey Yuen est tout de suite nommé directeur artistique et c'est Louis Leterrier qui passe à la réalisation. On est un peu perdu, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, d'autant plus que Corey Yuen, c'est un chorégraphe hongkongais qui est très connu, qui va opérer sur toute la première trilogie. Et donc l'apparition des deux noms est assez étrange, on ne sait pas vraiment qui a réalisé le film, on ne sait pas vraiment qui est le vrai metteur en scène du long métrage, donc on préfère dire que c'est les deux. Au final, pourquoi pas, parce que le transporteur premier du nom est clairement un divertissement très simpliste. Vraiment très simpliste. Très simpliste d'abord dans son scénario. Scénario écrit donc par Luc Besson et Robert Mark Kamen, qui sont également les deux auteurs de la trilogie Taken. C'est toujours intéressant à savoir. Et donc avec ce premier film, eh ben, on a un peu l'impression de voir Taxi version sérieuse. Et ce n'est pas une blague. On a vraiment l'impression de voir Taxi, mais version très sérieuse, et version malfrat. C'est tout, parce que sinon, oui, la complexité du scénario est aussi abyssale qu'un trou du cul, c'est-à-dire qu'on n'y voit rien du tout. On a du mal vraiment à cerner ce que veulent les personnages, on a du mal vraiment à savoir ce qu'ils désirent profondément, on a du mal à découvrir une dramaturgie ou une narration qui sort du lot, on a du mal à comprendre ce qui pousse les personnages à agir de telle manière. Voilà, tout simplement, on est complètement perdu et on ne sait pas vraiment ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas, d'autant plus que quand ce n'est pas ça, c'est carrément une dramaturgie qui est poussée, mais alors très vite jusqu'à la fin, c'est-à-dire que ça va beaucoup trop vite, c'est-à-dire que Lai et Franck se mettent à tomber amoureux de manière complètement abrupte. Je pense que la scène la plus emblématique de tout ça en matière de dramaturgie et de scénario, c'est la scène de fin, où Lai se retrouve littéralement à buter son père, et où en à peu près 10 secondes, elle passe du deuil à la renaissance, à la compréhension, enfin elle se tape toutes les étapes du deuil qui sont supposées prendre tout un long métrage d'habitude, elle se les tape toutes en 10 secondes. C'est absolument fou, c'est absolument dingue, et ça prouve quand même que le scénario est vraiment jeté par la fenêtre. Mais voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est divertissant, pourquoi pas. Au niveau de la mise en scène, alors Corey Yuen et Louis Leterrier. Clairement, sur ce premier film, on sent que c'est plus, on va dire, Corey Yuen qui était à mise en scène, dans le sens où les plans sont plus longs, sont plus poussés, prennent leur temps, un petit peu bordéliques de temps en temps, mais sont assez cohérents. Les scènes d'action sont vraiment bien faites, vraiment bien faites, elles sont très intelligentes, très simples. Y a un vrai suspense qui se crée à de rares moments dans le film et c'est vraiment prenant, notamment à toute première scène où Franck Martin va devoir se retrouver à embarquer des braqueurs, et très intelligemment faite. Un petit peu monté à la manière de Taxi, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de la mise en scène et au niveau de la manière dont sont filmées les rues.
Mais ça passe, ça passe. C'est assez intelligent pour nous maintenir en haleine pendant tout le long du film et c'est assez fin pour faire en sorte que l'on ne sente jamais vraiment une facilité, on va dire, au niveau de la scénographie. Ce qui est assez surprenant de la part de Corey Yuen, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage, il va ensuite réaliser Dead or Alive, le film, qui est tout de même pas loin d'être une purge. Mais voilà. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, là, sur ce film-là, il s'en sort plutôt bien. Il le fait de manière assez intelligente, sa mise en scène. C'est plutôt concret, c'est plutôt fin. Enfin, voilà. Ça, on va dire, ça se déroule bien, tout simplement. Au niveau du casting. Alors, au niveau du casting, forcément, si on pense au transporteur, on pense surtout à son acteur principal. Mais là, il faut tout de même citer quelques seconds rôles. Matt Schultz, dans le rôle du méchant, est ridicule. Littéralement ridicule. Il n'est pas crédible une seule seconde et il fait plus rire que peur. François Berléand amène plutôt de la légèreté dans le film et c'est assez agréable. C'est, voilà, ça transporte pas forcément, mais c'est plutôt fin. Chouki, dans le rôle de l'ail, bien mais sans plus. Voilà. Mais celui vraiment qu'on garde en tête à la fin du transporteur, ça reste très facilement Jason Statham. Jason Statham qui, avec ce film, s'est fait une image de casseur de gueule qui depuis parcourt le cinéma depuis au moins quasiment 13 ans. Et bah, ça marche bien, quoi. Le transporteur, ça lui colle à la peau. C'est vraiment une dégaine qui marche très très bien avec lui. Et puis il a vraiment la carrure pour jouer ce personnage-là. Ça rend vraiment bien, c'est très bien. C'est un excellent choix que d'avoir choisi Jason Statham. Et il est vraiment excellent dans le film. C'est surtout lui qu'on retient à la fin du long métrage. Donc voilà, le premier transporteur. Pas exceptionnel, mais divertissant, plutôt fun, un peu rapide dans sa manière de développer les personnages, mais voilà, on en sort content. Et donc, il y a eu une suite après, et cette suite-là est arrivée assez tardivement, et on n'en attendait pas grand-chose, franchement, du Transporteur 2.